suis Nongo Sambasila, je suis docteur en économie du développement. Je travaille à la Fondation Rosa Luxembourg, Bureau Afrique de l'Ouest, comme chargé de recherche et de programme. Par ailleurs, je suis également champion du monde de Scrabble. J'ai eu 3 titres de champion du monde de Scrabble francophone. Récemment, j'ai fait publier un livre qui s'appelle « La démocratie contre la République, l'autre histoire du gouvernement du peuple ». L'art, pour moi, c'est une manière de donner forme à l'imagination et à la créativité humaine. Et les formes peuvent être diverses, je veux dire. Ça peut être des tableaux, ça peut être des règles, ça peut aussi être des institutions. C'est quand les autres sont contents de mon travail. Parce qu'on travaille pour soi, mais aussi pour les autres. Si les autres sont satisfaits de votre travail, donc c'est un motif de réjouissance. Je suis content quand j'arrive plus ou moins à relever les défis que je me fixe. Je suis content quand les gens que j'aime de mon entourage sont contents et quand ils sont aussi contents de mon travail. C'est la même chose. Je souhaite que Dakar soit une ville phare, développée sur le plan économique, culturel, et qui serve en fait de phare pour le panafricanisme, mais aussi qui serve de passerelle pour l'ouverture au monde, parce qu'on a une longue histoire. En fait, la ville de Dakar a une longue histoire. On a à chaque fois été, disons, engouillé dans les dynamiques globales, et il est important que Dakar continue à jouer ce rôle-là et qu'on puisse, à partir de Dakar, créer le type de civilisation vraiment humaniste auquel nous aspirons tous. Mon endroit préféré, disons que chez moi, dans la chaleur de l'entre-chez-soi, disons.